Attends, mais c'est moi là. Fais le pourri, ma gueule. Regarde. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis tellement, mais genre tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, ça fait pratiquement 3 mois, carrément j'ai honte de le dire, 3 mois que j'ai pas filmé, mais bon. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail pourquoi j'étais pas là, qu'est-ce qui a fait que, tous les péripéties qui m'est arrivé entre temps. Donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc je vous invite, on va direct aller droit au but, parce que là je suis tellement contente de filmer, j'ai trop de choses à vous dire. Donc on va aller droit au but, là je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires et j'y répondrai dans ma prochaine vidéo où je vous expliquerai en même temps pourquoi j'étais pas là et tout le tralala quoi. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va pas beaucoup parler, ça sera une vidéo vraiment peace. Donc aujourd'hui, mon copain va juger les tenues que je vais porter, donc il donnera son avis le plus sincère. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de mes cheveux. Tu vois là, j'ai les cheveux roses bonbons. Donc en fait, cette perruque me vient de chez Angel Grass Hair. Donc c'est une perruque blonde de 12 pouces et je dis pas des bêtises. J'ai fait un shampoing violet sur la perruque jaune pour enlever tous les reflets jaunes qu'une perruque blonde a lorsqu'elle arrive chez vous. Donc vous faites un shampoing jaune. Ensuite, je suis partie acheter de la coloration. Donc à la base, je voulais un blond cendré. Mais ça a déraillé, j'ai eu un gris bizarre un petit peu. Mais bon, bref, ça vous le verrez à la fin. Donc comme là vous voyez, j'ai appliqué ma coloration étape par étape. Ça je le fais jamais, je préfère largement les teintures, enfin les colorations à l'eau, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Mais bon là j'ai pris mon temps parce que je voulais vraiment un beau blond cendré, même si ça a raté. Mais bon bref, donc là j'ai custom la perruque, donc j'ai pas attendu qu'elle sèche parce que c'est mieux de customiser votre wig quand elle est mouillée, vous voyez mieux ce que vous faites. Donc je l'ai customisée assez rapidement, mais assez bien aussi. Comme vous le voyez dans la vidéo, en fait, pour que ma laisse frontale s'adapte bien à ma couleur de peau, je vous en parle depuis quand même plusieurs mois et des mois. Je vous ai même fait une vidéo, mini vidéo sur Instagram et je vous ai fait des mini tutoriels sur Snapchat aussi. J'utilise un spray qui me vient de chez H Beauty. Donc en fait, H Beauty vend des sprays colorants pour les tulles. Si t'es métisse, si t'es un petit peu clair, si t'es dark skin, si t'as la peau un peu marron doré, toutes les teintes, il y a des sprays adaptés pour que votre laisse frontale soit transparente, invisible. Le produit se présente comme ça, donc je vous ai fait une petite démo sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker la petite démo. Et puis même là dans la vidéo, là vous voyez que j'ai juste appliqué le spray sur la tulle, j'ai laissé sécher avec mon sèche-cheveux, ou soit carrément vous le laissez sécher à l'air libre, c'est comme vous le souhaitez. Mais si vous utilisez le sèche-cheveux, c'est mieux de laisser sécher le produit à l'air. Donc, petite précision, ce produit est semi-permanent. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une couleur marron, bien, caramel, tout ça, tu vois ou pas. Mais si je vais en vacances, que je bronze, ma laisse frontale n'aura plus la même couleur de peau que moi en fait. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de laver la perruque et ensuite vous utilisez un spray beaucoup plus foncé en fonction de votre carnation actuelle. Et vous remettez, en fait, c'est aussi simple vu que c'est semi-permanent. Si vous en mettez trop, vous lavez, ça part, vous remettez. C'est simple, genre ça facilite la vie, c'est trop bien. Ce spray ne coûte que 20 euros, donc avec mon code promo, vous bénéficiez de moins 20%. Genre, génial. Que des bons plans, que des bons plans. J'essayerai de vous donner des bons plans dans chaque début de mes vidéos. J'utilise tout le temps. Toutes les filles me demandent, ouais, mais pourquoi tes laisses frontales sont transparentes? Comment tu fais? C'est ce produit-là. Donc, je mettrai leur Instagram en barre d'infos, le site internet en barre d'infos, mon code promo en barre d'infos, tout en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Tout sera là-bas. Donc, ensuite, quand j'ai terminé, la couleur ne me plaisait pas. Donc, je suis partie acheter de la coloration. Donc, j'ai de la marque Adore. Donc, j'ai fait une coloration à l'eau. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Ça, j'ai pas filmé. J'étais vraiment vénère que la couleur ne m'aille pas autant. Parce que j'estimais que le gris comme ça, ça ne m'allait pas. Peut-être que c'est moi, je fais un bocage sur les couleurs assez claires. Mais je trouvais que ça ne m'allait pas. Donc, j'ai préféré ce rose bonbon. Il fait chaud, c'est l'été. Oser les couleurs, oser le cours. Donc, j'ai fait ça. J'ai coupé ça en carré. Donc, là, je dirais que comment j'ai coupé, peut-être ça doit être du 8 pouces. Vu comment j'ai coupé, parce que c'est vraiment très court comme vous voyez, hein, vraiment super court. Donc voilà. En ce qui concerne Angel Grass Hair, je vous mettrai leur lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai le lien de la wig en barre d'infos parce que c'est une wig qui coûte moins de 100 euros. Donc c'est vraiment une très bonne affaire. Vous l'achetez, vous faites la couleur que vous voulez à l'aide de la coloration à l'eau. C'est une méthode super rapide et c'est aussi simple que ça. Donc en ce moment, il y a énormément de réductions sur le site, genre truc de ouf. Donc je vous invite à aller checker leur site internet, aussi leur Instagram pour avoir des idées quoi.
nous sommes plus tardés, on va commencer la vidéo. Donc je vous ai présenté mon copain, aujourd'hui bah, il est là. La dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, vous n'avez pas vu son visage. J'ai eu beaucoup de commentaires, ouais mais on veut le voir, on veut le voir, on veut le voir. Limite il a fait sa star mais il est enfin là, donc je vous présente. Je vous présente JM. Donc en fait c'est lui qui va noter le film aujourd'hui. C'est mon copain. Posez-moi toutes les questions que vous voulez en barre d'infos, que ce soit sur lui ou sur moi. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui il va noter bah, mes tenues, comme ça fait 3 fois que je l'ai dit quand même. Je vais noter sur combien? Sur 10? Ouais. Sur 20? Sur 10 c'est bon. Sur 10 c'est bon? Ouais, sur 10. Ok, génial. Donc déjà on va commencer par cette petite tenue. Donc c'est une tenue qui me vient de chez Fashion Nova. Donc c'est une robe en jean. Vraiment très 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 sexy. Genre genre magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis. En soi, attends, avant que tu parles. Moi, ces tenues, je vais dire, les tenues, je les porte pourquoi? Moi, ces tenues, je suis susceptible de la porter pour aller au resto facile. Si tu m'invites au resto ou quelque chose comme ça, vous vous imaginez avec de belles talons, genre. Ah ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que tu en penses? T'as vu quoi? J'ai vu ce que je voulais voir. Dis-moi, t'en penses quoi? Note là sur 10, genre, tiens, est-ce qu'une robe en jean t'aimes bien déjà? Ouais, ça passe bien déjà. Pour le restaurant, on passe bien. Ouais, elle est bien sexy. C'est bon, calme-toi, mec. C'est bien, ouais. Tu vois, tu vois ça avec des talons pointus, des talons pas trop longs. Tu vois ça avec quoi? Je pense que la robe, elle est bien. Ah ouais? Un peu trop sexy. Un peu trop sexy? Tu me vois pas chercher avec ça avec toi? Elle marque de... Je sais pas si vous voyez bien dans la caméra, juste ici, elle est pas trop courte. Oh, la robe, elle est bien en fait. Elle est bien. Mmh. En plus, elle est bien élastique et tout. Donc, je crois que je l'ai acheté sur Fashion Nova à 40€ à peu près. Tous les liens des articles que je vais vous montrer, je mettrai en barre d'infos au cas où bah, ça vous intéresse. Et puis voilà quoi. Donc, combien sur 10? Bah, 8 peut-être, ouais, 8. 8? Ouais, 8. T'es généreux, hein, ça va? Ouais, 8. Franchement. Juste... Bon, là, moi j'ai un peu grossi, du coup, j'ai un peu débrouillé et tout. Mais pour les gens qui ont la taille en 8, mais c'est parfait. Tu vois, c'est parfait. Donc on passe à la tenue suivante. Est-ce que t'es prêt? Donc voilà, bon là ça fait vraiment multicolore hein, parce que... T'as une perruque... Ouais, une perruque rose et tout, mais là, vraiment cette tenue, c'est ma préférée. J'ai rien d'autre à dire sur cette tenue, hein. Mais elle est courte. Ça c'est un truc, faut pas se mentir, elle est plus courte que l'autre tenue. Mais franchement, elle est mignonne avec les petits froufous et tout. Je trouve que ça fait petite fille. Cette tenue-là, moi, je me vois bien sortir avec au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Non. Pourquoi? J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Ça fait vieille. Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qui fait vieille? Regarde les trucs là. Ça va? Ça fait vieille. Ah, moi, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Une petite jupe taille haute et tout. Trop mignon. Donc, comme je vous disais, maintenant, je présente ma tenue. T'es déjà fâchée. Moi, je me vois bien sortir avec cette tenue, avec des petites converses ou soit carrément même des petites claquettes. Genre à l'aise, attendez. Carrément, je vais partir vous chercher ce que je vais mettre avec. Donc, puisque moi, je me vois bien porter cette tenue en vacances, avec mes petites claquettes, genre tranquille, petit vernis blanc sur les doigts de pied, t'es à l'aise avec ton petit sac à main. Donc, toi, maintenant, c'est à ton tour parce que chacun son tour. T'en penses quoi de cette tenue? Pas du tout, carrément. Non, j'aime pas du tout. JM, ça fait bien, tu vois une vieille porter ça? Ça fait vieille, le modèle. Et froufrou? Non, j'aime pas du tout. Non, je suis pas sûr. La perruque, ça va pas du tout. On s'en fout de la perruque, fais comme si on coupe ma tête. Mais moi, bah non, bah non, on s'en fout de la perruque. Moi, je te dis ce que je vois. Tu vois de dire, tu vois une vieille sortir avec ça? Bah, bizarre un peu. Moi, j'aime pas. T'aimes pas du tout. Genre, tu me vois pas toi et moi en vacances, avec une petite plaquette en mode. Non. Oh mon dieu, tu vois. Genre, pas du tout? Non. Genre, là, tu me donnes combien? Elle me dit pas 5. Impossible. Pas du tout, je te donne 3. Quoi? 3, ça. 3. Je sais même pas pourquoi t'as acheté ça. C'est vraiment un échec. Franchement, enfin, un échec. Moi j'aime de fou malade. Moi, après, bon, les goûts, les couleurs ne se discutent pas, hein, mais franchement, j'aime énormément. Genre vraiment 3. Honnêtement, cette tenue, je lui mettrais un 7. Un 7 sur 10. Ah non, je suis pas avec toi du tout. Là. Tu veux vraiment pas? Ah non, je suis pas du tout avec toi. Là. Rien à dire. Donc, bref, lui il veut pas, c'est son problème si tu veux pas, mon frère. Parce que je veux pas, là, t'es fâché. Non, je suis pas fâchée, t'as des goûts approximatifs, hein, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce qu'il y a? Tu consens. Alors, donc là, j'arrive avec ma petite tenue. Non, t'abuses. Non, ça c'est vraiment une tenue d'été. Moi, j'ai accepté de faire la vidéo avec toi, regarde ce que tu fais. Attends, ça c'est une petite tenue d'été. J'aime trop. Bon, en fait, abstraction de mon bidon, il va partir d'ici quelques temps, faites comme si j'en avais pas. Donc bref, c'est une petite tenue d'été, donc c'est une petite robe, vraiment. Genre, la petite fille dans la prairie. Exactement, exactement.
Genre, petite robe avec les petits froufrous. Franchement, c'est pensé, j'aime trop les petits froufrous là. Donc, elle m'a coûté 2 euros. Elle me vient de chez Bershka. Et j'ai l'accessoire Is avec mon petit sac à main. Ça, c'est le sac à main de ma vie en fait. Je l'ai vu à Bershka, je raconte, à Zara pour 20 euros. J'aime, je sais déjà qu'il n'aime pas ce sac à main parce qu'il fait que de m'insulter quand je le porte. Mais j'aime trop, je trouve que ça fait vraiment petite fille dans la prairie. Genre, il n'y a pas d'autre mot en fait. Donc franchement, moi je me vois bien comme ça. Avec une perruque rose bien sûr, hein. Un petit carré noir qui arrive aux épaules. Je vais d'être ça, clairement je vais d'être ça. Non. Je vais d'être pas ça. Non. T'es sûr? J'aime pas, déjà ton sac c'est, je sais pas c'est quoi ça. Ah oh, j'aime trop. C'est pas comme ça en fait. C'est un sac en mode, bah en mode panier. Oh my god, j'aime trop. Tu n'aimes pas? Honnêtement, moi, avant que tu commences à parler, moi, cette tenue, je lui donnerais un... Allez, facile. Un 6,5 sur 10. La robe, elle est tendance, elle est légère, ça fait été avec les petits rayures blancs et jaunes. Avec le petit truc, Non, mais ça, ça dérange, ça, les petits trucs comme ça. C'est bizarre, mais c'est trop mignon. Et je trouve que la robe, elle est pas trop courte. Genre, à la limite, j'aurais besoin d'un 9. Là, il me faut juste une petite gaine. Et franchement, j'ai une taille de rêve. J'ai une taille de rêve, franchement, j'aime trop. Bon là, je sais déjà, vous allez me dire en commentaire, j'ai grossi, je suis déjà informée. La team Instagram s'est déjà chargée de ça. Donc épargne-moi le j'ai grossi, je le sais. Et voilà. Non, c'est bon, pas de changer. J'aime non, pas. T'as pas noté. J'aime pas. T'aimes vraiment pas ça, au moins pas 5. Ça. Au moins non, 5. Ça, on note même pas ça. On note pas. Non, j'aime pas. Genre tellement c'est dégueulasse, on note même pas. Même le sac, même. Je sais même pas pourquoi tu l'as mis ici. Non. Oh. Va pas changer. Donne-moi une note, Yann. Va te changer, mon donne-moi une note. Ah non, pardon, va te changer. Bon, moi je lui mettrai un 5 sur, un 6 sur 10, c'est ça qui arrive. Attention, il y a de la couleur qui arrive. Tac, 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 tac. Coucou tout le monde. Donc, présentation de la tenue. Donc, cette tenue, c'est un total look de chez Bershka. Donc, j'ai acheté le body à part et la jupe à part. Donc, la jupe, c'est vraiment mon coup de cœur. Quand je l'ai vu avec le petit truc fluo aussi, je me suis dit, c'est obligé, je la prends. Et c'est pas, j'ai continué dans le magasin et je vois quoi? Un body fluo, pareil que le détail de la jupe. Je me suis dit, mais c'est sûr et certain que je le prends. Donc vous attendez pas à avoir des fesses avec ça, parce qu'il fait, je sais pas, des fesses, il fait des fesses comme ça là. Vous voyez ce genre de jupe? Mais on s'en fout des fesses. Le plus important, c'est la petite tenue. Quoi de mieux qu'un petit sac à main transparent? Déjà, laisse-moi noter la tenue. Non. Quand il commence comme ça, c'est pour dire que la tenue c'est 3 sur 0. Vas-y, non, je t'écoute. La tenue, moi j'aime bien, ça fait naturel, tranquille. Positif. Naturel et petite, attends, petite précision, le fluo est très 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 tendance cet été. Donc osez le fluo. Genre là, moi j'ai plein d'articles fluo. Bah, déjà, vous avez vu la tenue jaune, là encore du fluo vert. Osez le fluo. Bah, déjà, ma coupe rose fluo aussi. Osez le. Laisse-moi parler, c'est bon. Je t'écoute. J'aime bien. Mm-hmm. Combien Ça fait vraiment pas de fesses. Je donne un 7 sur 10. Oh 7 sur 10, tu vois. Tu vois, ça serait comme ça, parler où avec toi? Non. Cinéma en vacances, un truc comme ça. Petit cinéma? Ça, c'est des couleurs de vacances. Ça veut dire ça, je te vois que juillet, août avec. Ouais, non, non, je vais là. Petit cinéma, je me vois bien le cinéma. Ouais. Franchement, là, on rentre dans la simplicité. Rien de plus simple que la tenue que je vais vous présenter. Attention, elle arrive. Tic, 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 tic. Donc, je vous présente cette petite jupe qui me vient toujours de chez Bershka, franchement. Elle est même pas droite. Elle est droite. Non, déjà, elle est même pas droite. Elle est droite, arrête de mentir. Donc, franchement, cet été, Bershka, ils nous ont... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est fait exprès, j'écoute, c'est pas déchiré. Donc, donc, cet été, Bershka, franchement, je me suis butée là-bas, que des beaux vêtements. Je vous invite à aller chez Bershka. Ils ont jamais fait une collection aussi chiquini, en fait, jamais. Donc, ma petite jupe me vient de chez eux. C'est une petite jupe. Ouf, je vais faire tomber. Rose bonbon, franchement. Là, je passe avec la lumière, vous pourrez bien voir. Mais c'est un rose bonbon magnifique. Et ce petit body en mode débardeur, mais qui descend bien bas dans le dos. Aussi chez Bershka, je l'ai pris pour 9 balles. Je sais plus. Franchement, au top du top. Et on reste toujours dans la simplicité, je vous ai dit, avec son petit sac à main blanc qui me vient de chez je ne sais qui. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Moi, je me vois bien. Shimji, elle vient. On va en balade, on va se balader dans des petits parcs. Et c'est tout en fait. Non, en plus le petit détail que la jupe soit effilochée, pas déchirée, effilochée en dessous. Bah là regarde, c'est déchiré. C'est pas déchiré, c'est effiloché. Ah. Donc voilà, top du top. En plus cette jupe contrairement à l'autre. Bref, cette jupe contrairement à l'autre, elle fait de magnifiques petites fesses.
Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai trop envie de tu en penses quoi? Hein? Tu me séduis pour que je réponde que c'est une bonne. Attends! Tu me séduis pour que je dise que ta tenue elle est bien? Non, mais franchement, elle est bien. T'aimes pas? Non, t'as des soucis. Mais tu n'aimes pas? Elle est bien, elle est normale. C'est une normal, moi je mettrai, soyons d'accord. Attention, on dit notre note en même temps. Moi je lui mettrai un de petit soin, moi aussi, si vous allez dire. Oh là là! Oh si! Non, c'est pas grave. Donc, je lui mettrai un 6 moi aussi parce que franchement, c'est une tenue de tous les jours. Elle est simple, t'es en été, tu te prends pas la tête, même tu la portes même avec des claquettes. Bon, évolue. La tenue que je vais vous présenter, c'est une tenue où là, je vais au restaurant. J'ai une longue perruque de 30 pouces, un maquillage on flic, un bête de sac à main et j'arrive. Donc ici, c'est une petite tenue qui me vient de chez Fashion Nova. C'est une petite robe franchement super, qui colle à la peau, genre élastique et tout. Alors franchement, t'aimes bien ou pas? Attends. Mais tu laisses mon sang. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Dans un ça va chaud? Quoi avoir chaud? Ah bon? Ah bon, d'accord. Ah ça, je note ça à 9. J'ai porté ça avec des petits talons. Donc franchement, petit restaurant, t'as porté une petite chemise. Une petite cérémonie, tu vois pas? En vrai, de vrai, j'aime bien, tu vois. Ouais, ça fait sexy, ça fait... Non, calme-toi, calme-toi. Déjà, j'aime bien, mais vas-y, c'est un peu trop décolleté à mon cou. Comment ça? C'est bon, je parle, laisse-moi parler, d'accord? Ouais. C'est un peu trop décolleté à mon cou, sinon j'aime bien, tu vois. D'accord. Mais, je donne un 9. 9, sérieux? Pourquoi 9? C'est pourquoi déjà d'une, là, je te mets pas 10. À cause du décolleté là, j'aime pas, c'est trop. Ouais. J'aime bien, mais c'est trop. Ouais. Bon, si je en vrai, que en toi, vrai, non, en écoute, vrai, j'aime bien pour moi, mais pour les autres, non. Okay. Parce qu'en vrai, tu vas t'exposer en public et bah, si je peux pas. Bon, moi, j'aime bien. En soi, le décolleté, moi, j'aime bien. Je trouve pas que ça fait trop vulgaire, mais avec le fait que la jupe soit aussi courte, ça fait vulgaire. Si la jupe elle aurait été peut-être un petit peu plus longue ou bien elle serait arrivée, tu vois, là, ça fait tout de suite moins vulgaire. Mais le fait que quand tu marches, elle va arriver à là, bah, franchement, c'est pas top. Quand on se dit des choses, c'est pas top. Et le décolleté, je le trouve pas trop exagéré. Franchement, il est à la limite du raisonnable. Bon, c'est bon, moi j'aime bien. Va te changer, change de tenue là. Rapidement. Je vais lâcher du pain avec ça. Je la trouve mignonne. On va pas lâcher du pain. C'est un grand mot. Mais vraiment, je me vois pas sortir avec ça pour sortir. Comprends-moi. Là, vraiment, comprenons-nous, s'il te plaît. Que le courant il passe là. C'est pas une tenue, je me vois même pas aller au cinéma avec. Genre. Attends, on a dit été, on a pas dit des habits. Bon, ouais. En soi. Honnêtement, j'aime beaucoup la jupe. La jupe, le détail que ça, ça soit comme ça, genre, j'adore beaucoup, tu vois. Mais, en soi, peut-être que je l'ai mal agencé avec le haut ou je sais pas, mais je préfère largement la jupe simple et peut-être avec un petit crop top manche courte qu'avec ce long petit truc là comme ça. Je vais où avec ça? Bonjour, chef. Je veux pas réactif quand même. T'aimes vraiment pas? Non, j'aime pas. Franchement, moi aussi, mais y'a quoi, tu me fais tomber? J'aime pas. Non, mais moi aussi, j'aime pas. La jupe, note que la jupe. La jupe, je lui mets un 9. J'ai déjà dit, non, tu vas te fermer. Ouais, je vais fermer. Et y'a quoi? La jupe, moi, je lui mets un 9. Elle est mignonne. Elle est verte. Mais c'est tendance. Ça se range déjà. Non, moi, j'aime bien le fait qu'il pompe comme ça. Ouais, au lieu qu'il soit rangé, je sais pas. Ça va, il est normal. C'est la dernière tenue, là. Bah, moi je te note peut-être 5. 5 Je t'explique pourquoi. Ouais, explique pourquoi. Déjà d'une, regarde ça. Ouais. Ok, regarde ça. Ouais. Regarde ça. On a dit été, on n'a pas dit déshabillé. Y'a quel souci? Non, y'a quel souci en vrai? Y'a quel souci s'il vous plaît? Non, c'est vrai. Arrête. Oui, c'est bon. Bref. Donc voilà. Moi aussi, je suis du même avis que lui. Non, pas du même avis. Je suis pas du même avis. Écoute. Je suis pas du même avis que lui. Parce que moi, en soi, quand on voit ma peau ou pas, moi, ça me dérange pas. C'est rien, moi, je trouve. Non. Mais la tenue en soi, bof. Bon, moi, je vais te montrer en vrai de vrai, tu vois. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, tu parles trop quand même. Non, moi, je vais te montrer. Bon, attendez, on va faire l'inverse. Moi, je vais m'asseoir. Dis comment t'es habillée. Moi aussi, je vais juger. Bon. On change des rôles. Ok. Là,
T'as bien déjà. Non, t'as bien ma tenue ou pas? Bah, je trouve que je trouve. Bah, laisse-moi parler. Je présente ma tenue. Bah, t'as même pas fini de la présenter déjà. T'as vu quelle taille? Est-ce que ça taille bien? Ok, bah, je recommence. On recommence. Et puis, ma tenue. Ouais. Ça vient de chez. Mon t-shirt vient de chez Bershka. Ok. En quelle taille? M. Tu l'as acheté à combien? Peut-être. Ah bon, tu sais plus? Non, je sais plus. Ok, d'accord. Tu mettras le lien en barre d'infos aussi. C'est un petit t-shirt simple. Tu vois, un petit t-shirt blanc simple. Peut-être. 12 euros, je l'ai acheté, tu vois. Ouais. Mon jean, j'ai acheté à 50 euros à Zara. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La pointe, quelle taille? Faut que tu dises tout ça. C'était 43, je pense. Chiffre, tu fais du 43. Si tu vois Mito Isa, il fait du 46. Non. Déjà. Non. Si, tu fais du. Je suis désolée. Non, même pas. Je suis désolée. C'est comme c'est... si moi je fais du S et J, je fais du XS. Je suis désolée. Non. Non, attends, j'ai pris quelle taille? Ouais, comment bien réfléchir? C'est quoi ta taille? Attends, ah c'est mieux ce que je disais, 46. Ok, bref, c'est pas grave. Ça, je... Du coup, et tu vois pas comment avec ma petite paire de McQueen. Non, pas de McQueen. Ça, je mets ça avec ma petite paire d'Air Force. Ouais. Tu vois, on reste dans la simplicité. Donc, pas petit... de paire de McQueen. Non, rien. Okay. Oublie tout ça. On reste dans la simplicité. Okay. Un petit jean de chez Zara. Ouais. Un petit t-shirt de chez Bershka. Ok. Des petites choses, des sockets. Ok. Tu veux dire aussi que les sockets, c'est des mecs? Non, pas, je m'en bats. Ok. Bref. Des sockets et vas-y. Tu parles trop d'air, écoute, tu présentes la bonne idée. Écoute, écoute. Et ma petite paire d'Air Force blanche, tranquille. Et après, tu vois, tu brosses un peu tes waves. Ouais. Propre, on est carré. Ok. On est carré ou pas? Ouais. Ou bien. Voilà. Bon, bref, tu parles trop. Dans la prochaine vidéo, bah, franchement, si vous souhaitez, non, bon, puisque tu aimes bien faire ça, dans la prochaine vidéo, il va présenter ses habits et ensuite, moi, je vais le juger parce que. Il m'a trop saoulé là, je vais grave le juger. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et...